là il y a du travail et il va falloir s'y mettre puisqu'il va falloir transformer ça en espace de jeu pour la chaîne où on pourra filmer, on pourra et on pourra faire plein de choses donc voilà c'est complètement vierge à la base hein, c'est un garage Salut à toi Seigneur de guerre, bienvenue sur Creative Wargame. Aujourd'hui on va parler Warhammer 40 000 car nous sommes à quelques jours, allez, quelques semaines d'un des quatre plus gros événements de l'année pour les joueurs Warhammer 40 000. Je ne, par... je ne parle pas d'événementiel euh, à proprement parler, je ne parle pas euh, d'une sortie de codex incroyable, d'une sortie d'une nouvelle version. Non, je vous parle de l'arrivée de la Data Balance euh, qui sort tous les trimestres. La dernière en date était arrivée un petit peu tardivement en janvier dernier mais étaient arrivés dans les clous, on va dire, ils pas Games Workshop n'avait pas passé la deadline de mars, de février pardon pour arriver. Et là, eh bien les amis, on sait que fin du mois d'avril, on l'espère, et je pense que ça va, ils vont tenir le, il n'y a pas de raison qu'ils ne le fassent pas en tout cas. Fin du mois d'avril, on va avoir la nouvelle data balance du jeu. Euh, data Balance, peut-être Data Slate en vrai. Il y a pas mal d'échos qui disent qu'on aurait une Data Slate qui arriverait. Quelle est la différence La Data Balance euh, se contente de valider ou invalider les coûts en points des unités par rapport à des valeurs d'équilibrage qui sont propres à l'éditeur de jeu. Là où la Data Slate, elle vient rajouter ou sortir des euh, corpus de règles. De façon, encore une fois, à équilibrer, rééquilibrer le jeu ou le déséquilibrer. Hein. Là, en ce moment, on ne sait pas. On ne sait pas vraiment. Euh, parce que, bah, clairement, ça reste... Euh, L'équilibrage d'un jeu est quelque chose de subjectif. Difficile, véritablement, d'arriver de... à avoir quelque chose de... Parfait sur un jeu comme Warhammer 40.000. Et donc, des fois, il y a des très bonne data balance et des fois il y a des mauvaises data balance et des fois il y a des très bonnes data slate, et des fois il y a des mauvaises data slate. C'est pour ça que dans cette vidéo là je vais essayer euh, avec le maximum d'objectivité possible même si encore une fois je pense que il euh, n'y a pas de... Y a pas véritablement de classement méta objectif, il n'y a pas véritablement de vision objective du jeu parce que euh, le méta jeu n'existe euh, que dans euh, le... que dans une pratique qui est euh, assez... Euh... Concentré et assez intime de chacun, de tout un chacun. Donc, euh, ce que l'un va trouver fort, peut-être que l'autre ne le trouvera pas fort. Et si on ne s'en tient exclusivement qu'aux données et aux résultats de tournois, au pourcentage de win rate, etc., etc., on a effectivement un lissage qui est mathématiquement plus objectif que euh, juste une impression, de dire j'ai gagné une partie contre ça, j'ai perdu une partie contre ça. Donc, ça, c'était fort et ça, ça, ça n'était pas. Ceci étant, il y a une métrique qui n'est pas prise en compte et qui ne sera jamais prise en compte, ça va être le niveau de jeu, le taux d'aléatoire d'une partie, etc. C'est etc. Euh, pour ça d'ailleurs que euh, je vais essayer de mateler avant euh, cette arrivée de Data Balance, à vous partager moi ma vision du jeu et ma vision de l'équilibrage du jeu sur euh, ces, euh, ces trois derniers mois. Je vous donnerai donc mon top 5 actuel des ce que j'estime être les meilleures factions de Warhammer 40 000. Euh, donc ce sera la première partie de la vidéo. Deuxième partie de la vidéo, euh, on abordera larchi nerf. Hein, le codex Custodes arrive il est en précommande là euh, d'ailleurs euh, dans de, de, ce samedi où je publie la vidéo. Donc euh, ça se trouve, vous regardez la vidéo, les précommandes sont déjà lancées. Et je vous rappellerai d'ailleurs à ce titre que euh, vous avez moins 20% sur les précommandes des custodes. Hein, ils, ont sorti, euh, ils sortent une boîte, euh, ils sortent le codex et ils ressortent une, une combo de patrol, vous les avez à l'affichage. Moins 20% chez Myobi Place. N'hésitez pas à aller acheter chez eux. Et à saucer Creative Wargame sur votre achat. Ça nous permet de vivre et de faire plein de projets, les gars, ça, Vraiment. Et d'autant que... Euh si vous passez par Miami Place pour faire vos achats, après vous allez sur notre Discord, il y a un salon affilié, vous passez votre numéro de commande et vous recevez une playlist privée de vidéos sur laquelle il y a plein de vidéos euh, qu'on garde que pour nos soutiens. Donc voilà, n'hésitez pas. Et les custos, eh bien écoutez les amis, euh, on a eu quasiment tout le codex sauf les coups en points, mais honnêtement on a risque de pas avoir de très très grosses surprises sur les coups en point et euh, le custo vient de se prendre un archi nerf hein. vraiment on est sur un gros gros nerf du custo j'en parlerai aussi dans cette vidéo euh, bien que je n'ai pas eu le codex matériellement dans les mains, euh, on a euh, quasiment tous les leaks de toutes les pages, hein, c'est des screens, donc euh, voilà. Et, euh, et pour finir, je vous ferai ma petite wish list, ma petite wish list de ce que j'aimerais de voir euh, augmenter en points ou baisser en points, éventuellement euh, les, les quelques règles qui, à mon sens, euh, peuvent, peuvent évoluer ou être sanctionnées sur le jeu pour pour un maximum d'équilibrage. Voilà, en tout cas, tout ce que je vais vous partager, c'est évidemment que mon avis. C'est basé sur mon expérience du jeu. Sur ces dernières semaines, derniers mois, euh, je suis entre les parties réelles et les parties TTS à 2-3 parties par semaine. Euh, et puis surtout des échanges méta assez réguliers avec plein de joueurs. À ça, on rajoute aussi le. Le, le côté analytique, d'aller voir les résultats, etc., etc. Donc, on va dire qu'on devrait être pas trop mal, normalement. J'aurais pas trop me planté sur euh, mon expertise, en tout cas. Si tant est que ça en soit une. Mais, euh, voilà, je vous partage tout ça, évidemment. Ça me fait plaisir. J'espère que ça vous fait plaisir aussi. Et que, du coup, vous allez mettre le petit pouce. N'hésitez pas à mettre en commentaire, hein, les gars, ce que vous... Les gars, les filles, d'ailleurs. Ce que vous, vous pensez de la méta actuelle. Si elle vous plaît, elle vous plaît pas. En tout cas, je commencerai par là. En ce qui me concerne... Euh j'ai adoré cette data balance, la dernière. Euh, on a eu un début de version de V10, hein, maintenant, qui, qui a. Qui, on va bientôt toucher la première année de la V10. On a eu un début de version qui, honnêtement, était un peu, euh, un peu mitigé, avec un équilibrage qui A été mauvais, hein, il faut le dire, euh, puisque on a passé les trois premiers mois de l'édition avec des win rates qui allaient de 75% à 25%, ce qui est énorme. Hein. Euh, donc, ça veut dire qu'il y, qu y a des codex qui ne pouvaient gagner aucune partie et des codex qui, et des codex qui ne quasi, quasiment ne pouvaient pas en perdre. Hein. Euh, les Eldars pendant un temps et l'Adeptas Auroritas pendant un autre. Je vous cite que eux, mais il y, y en avait d'autres. Donc, euh, les trois premiers mois de la version n'ont pas été terribles. On a eu un premier équilibrage euh, qui a été bien, mais pas suffisant. Parce qu'on avait encore des prédateurs de la méta qui étaient trop hauts dans le classement et qui avaient des matchs quasiment positifs sur tout le monde. Et ça, c'est problématique. C'est problématique quand il euh, n'y a aucun moyen de gérer un codex adverse. Ça devient très, très problématique. Et c'était le cas avec notamment les Zeldars, encore une fois, et les Space Marines du Chaos. Et euh, on a eu enfin cette euh, deuxième Data Balance qui était celle de janvier, qui arrivait un petit peu tardivement, car Games Workshop a annoncé attendre les résultats du Las Vegas Open pour se prononcer sur certaines choses. Et, euh, et cette data balance, hormis le fait, il est vrai que les Necrons soient passés au travers, mais c'est parce qu'il y avait un delta très court entre la sortie du Codex Necron et la mise en œuvre de la data balance donc je pense qu'il était cohérent aussi pour l'équipe d'équilibrage de dire bah, on n'a pas assez de retour pour évaluer ce qui est fort ou ce qui ne l'est pas euh, ils se sont quand même, ils ont quand même pris le soin de péter la, la combo immortelle blessure mortelle qui était complètement abjecte évidemment mais euh, hormis ça ils ont, les nécrons sont passés en travers de cette data balance et on le voit clairement sur le rate. Hein, le, le nécron est très haut et, euh, et dans les derniers tournois qu'on observe le nécron est toujours très haut donc euh, voilà il faut s'attendre à forcément un nerf sur la prochaine data balance. mais hormis ça euh, j'ai trouvé véritablement qu'on avait, euh, on avait la meilleure, euh, le meilleur trimestre la meilleure demi saison de jeu on va dire sur, sur cette V 10 parce que on avait, avait pu véritablement de prédateurs même si le nécron est haut euh, c'était pas c'est pas, pas un ultra prédateur euh, le nécron a pas de match où euh, il est sûr de gagner et il déroule son jeu euh, sans complexe euh, non il y a, y a il est, il est très fort, mais il y a plein de matchs qui sont difficiles pour lui. Il y a plein de matchs qui sont déséquilibrés pour lui. Il y a match, quoi. Il y a jeu. Il y a jeu, et quand il y a jeu, c'est que c'est bien. Donc, là où je voulais en venir, c'était que j'ai trouvé que ce trimestre de jeu était, honnêtement, euh, bien équilibré, avec quelques ajustements à faire, mais pas ultra, ultra nombreux. Euh, mais on avait un espèce de poule, une niche de codex qui était en haut du panier, et euh, qui offrait plein de matchs à tout le monde. Et franchement, c'est cool. Je, je, je trouve à titre personnel que ces trois mois de, de méta ont, ont vraiment été bien. Euh, c'est pour ça que je suis assez attentif à ce que va proposer Games Workshop. Parce qu'on sait aussi que la donnée d'équilibrage est un levier d'équilibrage, hein, comme son nom l'indique. Mais sans sombrer dans la théorie du complot, mes petits potes, on sait aussi que c'est un levier pour Games Workshop pour un petit peu, euh, pas pousser à l'achat, mais pour... Euh, euh, rebattre les cartes et redonner de l'intérêt à certaines unités qui ne sont pas jouées et euh, bon, peut-être derrière générer quelques achats mais vous les avez à moins 20% sur My Place donc ça le fait mais, euh, mais voilà c'est vrai que c'est important quand même aussi qu'on euh, on ait une méta qui soit variée euh, et d'avoir de, des archétypes de listes qui sont là, trop redondants c'est assez, euh, assez déroutant donc c'est bien que les cartes soient rabattues donc on sait aussi qu'il va y avoir euh, probablement des, des baisses de coûts en points pour des unités qui sont euh qui sont sous sous hein. et euh, et ça ça peut créer un déséquilibre parce que euh, redescendre abaisser en coup en point des unités qui sont trop chères euh ça, pas force, ça va pas forcément créer de déséquilibre. Euh, par contre, qu'on qu qu redonne de la vie à certaines unités, ça peut créer un trouble dans la force, hein, clairement. Et donc, on n'est on est jamais à l'abri de ce que je vous disais au début de la vidéo, d'avoir des data balance qui sont foirés et euh, bah, des, euh, des saisons de jeu qui soient merdiques. Voilà, il faut le dire, c'est déjà arrivé d'ailleurs, hein. c'est déjà arrivé par le passé. Euh, donc, euh, donc voilà, donc il faut être vigilant. Moi, je suis assez vigilant là-dessus. Enfin, faut être vigilant. Une fois que le truc, une fois que la donnée est publiée, on n'est plus vigilant, on n'a plus qu'à subir pendant trois mois. Donc euh, voilà. Mais j'ai un œil, euh, je garde un œil là-dessus parce que ça m'intéresse et, euh, et voilà. Donc on sort du, de trois mois de jeu qui me semble très intéressant. Euh, le, la, la scène solo parle d'elle-même. Il y a une certaine mixité dans les codex qui gagnent, euh, bien qu'on ait toujours un carcan fort. Hein. Il y a toujours ce, ce, ce peloton de tête qui est difficile à, à déloger et, euh, et ça me permet d'ailleurs de, de basculer sur euh, cette partie là de la vidéo qui consiste à, à vous à, 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 pour moi à, de vous partager beaucoup de mal à trouver mes mots euh, et c'est pas l'émotion. Je vais vous partager donc les cinq euh, meilleurs codex actuels de mon point de vue, euh, qui, on va pas se mentir, n'est pas le plus objectif du monde, mais, euh, mais qui se base quand même sur des données solides. Euh, les données solides, pour moi, elles sont simples c'est euh, les derniers gros tournois, et il y en a un gros tout particulier qui, je pense, qui a une pertinence plus poussée euh, c'est l'Alpine Cup. Euh, L'Alpine Cup, pourquoi Parce qu'on est sur un format européen international, euh, qu'on est sur un tournoi qui a fait. Euh, une partie, euh, deux jours de solo et deux jours d'équipe, ou trois jours de solo, deux jours d'équipe, mais peu importe. On est donc sur un tournoi de cinq jours avec euh, 170 joueurs sur le solo, 350 je crois sur le, le format équipe, euh, des équipes qui viennent de tous les pays, donc les nations ramènent aussi leur, leur méta. Et, euh, et généralement, les mecs, quand ils se déplacent euh, en Autriche pour aller faire un tournoi, euh, c'est un peu les mecs énervés de la contrée, quoi. Tu vois, c'est les gars, ils sont. Ils en avaient marre un peu de, de s'écharper avec les gars du coin. Probablement aussi parce que les, les gars du coin, au bout d'un moment, sont, ont, ont un niveau aussi qui, euh, qui, est, qui est talonné, hein, qui est jalonné. Donc, euh, ces gars-là aussi vont euh, affronter, on va dire, les meilleurs des autres nations pour, euh, voilà, pour, euh, pour level up. Et puis, euh, donc, donc l'échantillon que nous propose Alpine Cup est très pertinent, je le pense, en termes de méta. Et honnêtement, euh, pour moi, d'autant plus parce que clairement, ils rentrent. Euh, euh, il s'imbrique avec euh, la vision que j'ai actuellement de Warhammer 40 000 et euh, hormis, hormis les Eldar que pour ma part j'ai pas eu l'occasion de tester et, euh, et donc j'ai pas véritablement une vision périphérique sur cette faction, mais je sais que c'est très fort et les résultats parlent de même. Il hein. il y, y a de l'Eldar dans les meilleures équipes, il y a de l'Eldar dans le top classement. Euh, et ça partout, hein, que, que vous soyez euh, sur l'Elpid Cup ou sur d'autres tournois, c'est le cas, donc euh, voilà, je, je, je m'avancerai pas plus sur l'Eldar, bien que je pense comprendre quelles sont les mécaniques qui font euh, que, que le codex est fort, mais, euh, mais voilà, alors le top 5 factions, euh, je le... Je, le pas. je ne le hiérarchise pas honnêtement. Pour moi, il n'y a pas euh, véritablement une faction qui est plus forte que l'autre. Parce qu'après, il va falloir confronter des bulles de listes. Et là, on rentre dans, dans une complexité qui ne va, euh, va pas vous intéresser. Globalement, ça ne va pas vous intéresser. Vous allez éteindre la vidéo. Et, et ce n'est pas l'objet de la vidéo. Donc, euh, donc voilà. Euh, alors dans ce top 5, je mettrai euh, les Thousand Sounds. Les Thousand Sounds, clairement. Euh, pour vous faire un petit topo. Les Thousand Sounds sur 72 équipes, j'ai pris les 5 plus grosses, les 5 meilleures. Euh, j'ai pas pris le win rate solo euh, du jeu en équipe, c'est-à-dire qu'il y, y a un classement. Euh, les mecs qui ont joué en équipe après ils sont classés par rapport au nombre de points qu'ils ont fait. Il y a 5 rondes donc ils peuvent ramener jusqu'à 100 points. Euh, le premier il a 97 points, il était en Thousand Sounds, mais je me suis pas basé sur ce classement là pourquoi Parce que euh, on se rend compte que très rapidement c'est biaisé dans le sens où il y a des teams euh, qui se sont fait rincer dès le début et euh, il y a des mecs de ces teams là qui ont forcément joué des mecs d'un moins bon niveau et qui ont des, des niveaux enfin des, euh, des, du scoring qui est très élevé donc c'est là où vous voyez c'est là aussi où l'objectivité de regarder des win rates etc a ses limites euh, on peut pas mettre en opposition euh, un mec qui est dans une équipe du top 5 qui a fait peut-être moins de points sur une faction avec le jeu en écran que euh, un joueur qui est dans une des top 5 fans du classement donc euh, qui est dans les 70e qui a joué le même codex parce qu'il n'a pas affronté mathématiquement les mêmes adversaires il n'a pas affronté le même niveau de jeu il n'a pas affronté la même expertise de match up donc le win rate du gars d'en bas, c'est pas péjoratif, mais n'est pas équivalent au win rate du gars d'en haut. Voilà, et il faut le dire, hein, c'est. Pour le coup, c'est. Enfin, je pense que ça vous apparaît normal hein, en compétition. Hein. Je veux dire, si vous êtes au sommet de la ligue, euh, au sommet du championnat, vous n'allez pas affronter les mêmes, euh, les mêmes gars que si vous êtes tout en bas, et donc forcément mathématiquement, on ne se référera pas à votre capacité à scorer ou à gagner pour, euh, pour, pour partager une vision globale du jeu. Bref, donc du coup, le, le classement solo du joueur en équipe, je ne l'ai pas pris en compte. J'ai regardé le nombre de factions qui sont représentées dans les 5 plus gros rosters. Dans les 5 plus gros rosters, on a 3 fois le Thousand Sons, sachant on, donc on a à 3 sur 5 en Thousand Sons, hein, puisque c'est une faction par roster. Euh, et dans le top 25 du classement en solo, donc il y a 175 joueurs, dans le top 25, il y a 5 joueurs Thousand Sons. Donc il y a un cinquième du roster, c'est du Thousand Sons. Donc autant vous dire que ça performe fort. Pourquoi le Thousand Sons performe fort euh, Il a globalement aujourd'hui, euh, hormis le corps à corps sur lequel il pêche, euh, il n'a pas véritablement d'outils de corps à corps. Euh, sorti de ça, il a toutes les armes, il a toutes les meilleures armes du, du jeu, le Thousand Sons aujourd'hui. Euh, il a la capacité de multiplier les mouvements, ce qui est excessivement fort dans un jeu. Il a la capacité de tirer hors l'os, ce qui est excessivement fort dans le jeu. Il a la capacité de multiplier les blessures mortelles, ce qui est excessivement fort dans le jeu. Il a une capacité euh, d'ossée qui est assez importante avec euh, le spam de battle line que sont les rubriques marines, ce qui est très fort dans le jeu. Euh, donc euh, voilà, il y a un cumul de, de forces qui aussi est dû à une chose que j'aborderai pas maintenant parce que je voulais en parler dans. Euh, ma wish list, on va dire, de la data balance et qui, à mon sens, justement, euh, les choses qui doivent être up en point. Mais à tous ces égards, voilà, le Thousand Sounds euh, tire très fort, euh, bouge bien, score très bien et, euh, et a véritablement beaucoup, beaucoup d'outils pour mettre en difficulté à peu près tous les codex du jeu. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment un, une, une top faction. Euh, Je Tiens véritablement à dire qu'en plus de ça, euh, le... il y a vraiment un skill cap sur le codex Townshend. Il y a vraiment un niveau de jeu qui est important à avoir. C'est un codex qui n'est pas évident à maîtriser parce que vous avez pas mal de leviers à manœuvrer en même temps que vous jouez. Notamment votre pool de dés. Hein, le, le, les dés de... J'ai plus le nom des dés. C'est pas les dés de foi, c'est pas les dés de Miracle. C'est peut-être les dés du destin, mais j'en suis pas sûr. Mais en tout cas, les dés de. Les dés qui craignent, quoi. Les dés qui vous permettent de, qui vous permettent de faire des Doom bolts, Les dés qui vous permettent de faire des Double Moves. Voilà. Bah, bon, ben. Bah, euh, cette utilisa cette utilisation-là est importante. Euh, L'utilisation des points de commandement aussi. Avec les capacités à faire du. Du Tireur Loss, par exemple. Euh, les capacités aussi. De la règle des Thousand sons, qui dit, bah, ok, bah, ce tour-ci, je vais utiliser le Deva Wound, ce tour-ci, ce, ce tour je vais utiliser telle, telle aptitude de jeu, etc. Donc, il y, y a vraiment pas mal de, de, de ressources à mettre en œuvre en Thousand sons, Je vais faire le comparatif avec ce qui n'est l'armée pour laquelle il n'est pas le cas. C'est par exemple le Custodes qui est beaucoup plus clé en main à jouer. Je trouve le Thousand sons, lui, il euh, y, y a vraiment, à mon sens, il y a vraiment un niveau de jeu à, à avoir pour le maîtriser. Mais si vous affrontez un mec en Thousand sons qui maîtrise son codex, son index, sa faction. Aïe aïe aïe, ça risque d'être compliqué, on va pas se mentir. Donc euh, voilà, le Thousand Sounds pour moi il est clairement dans, dans le top 5 des factions. Au même titre euh, que l'Eldar. Donc euh, l'Eldar, comme je vous disais, j'ai peu d'outils peu à m'apporter pour véritablement vous expliquer pour quelle raison l'Eldar est au, au sommet. Si ce n'est qu'il l'a toujours été depuis le début de version. Euh, ceci étant, on a dans les 5 premières équipes. On a 4 Eldar. Euh, donc, on a 4 sur 5 en Eldar euh, sur le format équipe. Donc, euh, bon, bah, les, les meilleures équipes le jouent. Euh, dans, dans des rosters de 5, de, rosters de 5 équipes. Hein, C'est-à-dire que vous avez 30 codex. Vous devez en choisir 5. OK Les cinq meilleurs. Et sur les 5 meilleures équipes, 4 ont choisi l'Eldar. Donc, ça veut dire quand même. Ça, voilà. Je veux dire, en termes de métrique, ça se pose là. Vous voyez N'est-ce pas OK. Et enfin, euh, sur le solo. Sur le solo. Sur les 25 meilleur joueur, il y en a 3 qui étaient en Eldar, ce qui est assez conséquent quand même, euh, et surtout bah, le premier notamment euh, qui était en Eldar. Euh, L'Eldar, je rajouterai aussi, je pense au, à, mon, à mon sens, au même titre que le, que le Thousand Sons, il y a un skill cap sur l'Eldar, véritablement, euh, si vous commencez à jouer contre des mecs qui maîtrisent leur liste, euh, les tricks, les combinaisons, le, la gestion des ressources, etc., etc. Ça peut vite être compliqué pour vous. Euh, L'Eldar a beaucoup d'outils euh, pour euh, scorer très fort, euh, aller très vite. Euh, ça tire bien, ça a du close, ça fait plein de choses. Donc, euh, donc voilà. Euh, L'Eldar est et restera pour l'instant toujours, depuis, euh, depuis maintenant 8 mois, 9 mois même, hein, il reste toujours en haut du classement. Et euh, pour moi, ça n'a pas changé. On est toujours dans le top, dans le top faction. Les nécrons. les nécrons, clairement, sont, euh, sont actuellement une des meilleures factions du jeu. Euh, J'espère que le nerf qui va leur être appliqué dans les prochains jours ne sera pas trop violent. Je parle en tant que joueur Nécron, donc c'est pas objectif, hein mais en tout cas, voilà. Euh, le Nécron est, est fort pour, euh, pour plusieurs raisons. Déjà, on a le Cétane qui de manière générale est sous-pricé en termes de coûts en points. Euh, le Nightbringer à 255 points, le Void Dragon à 270. Clairement, ce sont des unités qui en valent plus. Euh, moi, je miserais sur un Nightbringer à 285 et un Void Dragon à 285 probablement. Euh, voilà, le Transcendant, je trouve qu'en vrai, il vaut son coût en points. Le Transcendant, euh, il est à 275. Et après, on a des unités qui sont, euh, qui sont très bonnes en Necron. On a surtout des détachements qui sont très forts. C'est pour ça que l'équilibrage en point des Necrons ne sera pas évident, parce que le Necron tire aussi beaucoup sa force de ses détachements. Euh, le Canoptek, euh, via deux unités clés hein, qui sont jouées en Canoptek, ce sont les Spectres et les Doomstalkers. Et, euh, et en Hypercrypt, là, il y a un petit peu une, un panel d'unités qui est plus intéressante, mais euh, l'hypercrypt ce qui va être intéressant forcément ce sont euh, les stratagèmes, la règle d'armée et, euh, et puis certaines combos. Euh, le Necron est aussi fort pour euh, du coup euh, son tanking, sa capacité à contrôler les objectifs. Euh, via aussi l'hypercrypt, sa capacité à scorer facilement du secondaire en, en faisant ce qu'on appelle blink, en faisant le blink, hein, le fait de partir et revenir de la table, euh, partir à la fin du tour adverse et revenir, comme le font les GK. Euh, donc, ça, c'est une règle qui est excessivement forte. Et, euh, et voilà, et surtout le Nécron a une vraie puissance de feu, ça honnêtement ça fait plaisir, parce que aussi loin que je me rappelle, le Nécron a, a toujours eu du mal à être véritablement létal, c'était un codex qui tanquait très bien, on se rappelle des bulles de liste avec euh, une masse de guerriers Nécron, voilà, c'était des armées qui tanquaient énormément, qui tenaient la map, etc., mais qui proposait pas une véritable source de létalité. Je trouve qu'aujourd'hui le Necron, que ce soit au corps à corps via les Cétans ou même des unités comme les Scorpec Destroyer, euh, sont, sont vraiment intéressantes euh, en termes de létalité et au tir. Hein, le le, le Necron est très bon au tir avec des unités qui font très très mal. Euh, on peut parler des Destroyers lourds, euh, on peut parler des Immortels, on peut parler du Monolith, on peut parler euh, des Doomsight. Voilà, il y a vraiment un panel d'unités qui est quand même très intéressant. Je rajouterai... Autant j'ai parlé, je, je pense aussi qu'il y, y, y a un vrai skill cap sur le, le jeune Necron. Euh, je rajouterai que pour moi actuellement, c'est le codex, c'est le, j'enlève le codex Space Marine lot, parce que le codex Space Marines, il y a des ramifications dans les sous détaches dans les, dans les, dans les suppléments Space Marines, et le codex Space Marines, s'il a tellement d'entrées, donc c'est, c'est pas véritablement un codex qu'on peut mettre en, en opposition avec d'autres. Mais de tous les codex qui sont sortis, pour moi, c'est le mieux écrit. Hormis le Space Marines, parce que le plus équilibré, j'en veux pour preuve la mixité des unités qu'on voit dans le jeu compétitif. Pour moi, ça veut dire qu'en fait, il euh, n'y a pas trois euh, datasheets qui sont surjoués, tout le temps joués, tout le temps joués, tout le temps joués. Bon, d'accord, les Cétanes, ok, ils sont très joués, mais on sait pourquoi, ils sont sous-pricés. Mais hormis une fois qu'on a sorti les Sétanes, les bulles de Delice sont complètement différents Vous avez... Euh du Spectre, vous avez de l'Immortel, vous avez du Deathmark, vous avez du S-mark, vous avez des avions, vous avez des Doomsday Ark, vous avez euh, du Doomstalker, euh, vous avez des entrées Forge euh, vous voilà, voilà, il y a vraiment pléthore d'entrées qui sont jouées. Et qui sont joués de façon différente. Et je trouve que ça, on ne le retrouve pas dans tous les codex. C'est pour ça le, le codex Necron, je trouve vraiment, c'est une belle réussite. Et j'espère qu'ils ne vont pas le plomber. Euh, mais j'ai confiance. Honnêtement, j'ai confiance en l'équipe d'équilibrage. Je, je pense que le codex ne sera pas plombé. Mais voilà. Donc le Necron, euh, clairement dans le top 5 euh, factions. Euh, ensuite, le GK. Le Grey Knights, les gars. Euh, le, le GK, pour moi, il fait partie des meilleures factions du jeu. Euh, parce que Dread Knight Nemesis, en fait. Et Librarian. Voilà. Le Le. le... La, la, la Dread Knight Nemesis et les Librarians, ce sont deux unités qui sont complètement what the fuck. Évidemment, mis en, à l'équilibre avec la capacité de l'armée euh, qui consiste à blink, hein, toute la partie. À La fin de ton tour, je m'en vais et au début à la fin de ma phase de mouvement, je reviens. Euh, donc ça, c'est très très fort. Et surtout, bon, bah, on, a, on a clairement des Dread Knight Nemesis qui sont sous-pricés, au même titre que les Cetan. Euh, bah, sauf que la, la Dread Knight Nemesis, en fait, vous pouvez la jouer par trois. Euh, plus euh, les, le, le format grand maître Donc vous pouvez en jouer 4 voire 5 okay Et vous avez encore derrière Un en pléthore d'unités euh... Donc ça fait que Le, le codex il, il marche un peu sur l'eau On va pas se mentir euh, le, le codex a pas beaucoup beaucoup de matchs euh, Foireux euh, Sur le format de... Sur le format d'équipe Dans les 5 Premiers rosters Il y en a 3 qui ont joué GK donc euh, c'est aussi surreprésenté. Dans le format solo, il n'y en a eu que deux, par contre, sur le top 25. Euh, sachant que dans le top 25, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dans le top 25, il y a 10 factions différentes représentées sur les 30 du jeu. Donc voilà, le GK a été représenté deux fois. Et euh, assez haut hein, d'ailleurs de mémoire dans le, dans le top 25. Je dois l'avoir sous les yeux. Juste là d'ailleurs. Vous en avez un à la sixième position. Et après, c'est un peu plus loin. Et un à la 25 cinquième position. Donc, il y en a un à la sixième position, un à la 25 cinquième position. Euh, voilà. Et dans le format d'équipe, c'est vraiment bien représenté. Euh, le, le GK a probablement des matchs un petit peu durs parfois. Euh, mais euh, il peut dans, dans, je veux dire, dans, dans sa matrice... Hein. Dans la panelle de matchs qu'on peut, qu peut opposer au GK, il y a peut-être des matchs qui peuvent être difficiles. Mais, euh, mais il met en difficulté énormément de monde, ce, ce Grey Knight. Donc, euh, donc voilà. Euh, ça, c'était pour le top 5. Et après, à la, honnêtement, à la cinquième place, eh ben, euh, il y a beaucoup de monde qui se bat. Il y a pas mal de monde qui se bat. Et euh, Il y a le Black Templar. Il y a le Black Templar. Il y a l'Astra Militarum. Il y a la Death Guard. Pour moi, ça se joue entre ces trois-là. Euh, Peut-être le League of Wotan, mais j'en suis pas convaincu. Mais en tout cas, euh, entre l'Astra, le Black Templar et la Death Guard, euh, pour moi, ces trois-là probablement se valent. Euh, sur le top 5, le top 5 des, du jeu d'équipe, on a un Astra, deux Astras de représenter. Euh, on a un DG, deux DG de représenter. Et on a. De Black Templar de représenter. Vous voyez, en plus, euh, c'est assez équilibré en vérité. Donc à chaque fois, il y a 2-2 deux, deux et deux euh, dans le top 5. Et après, au niveau solo, il euh, le... y a un DG, il n'y a pas de Black Templar et il euh, n'y a pas d'Astra Militarum. Donc au niveau solo, euh, ça n'a pas, pas forcément performé. Je pense que c'est aussi des codex qui sont très forts mais qui peuvent avoir des matchs difficiles. C'est aussi là où, où en fait, il on... y a le peloton de tête. Euh, qui en vrai est un top 4 déguisé en top 5 hein. Mais il y a le peloton de tête où il y a les mecs qui ont énormément de matchs positifs Et après il y a le petit peloton derrière qui a beaucoup de matchs positifs Mais probablement moins que le peloton de tête Donc c'est pour ça que dans, ce, dans cette cinquième place je mettrai trois codex Je mettrai le Black Templar, le DG et le et l'Astra Militarum. L'Astra Militarum euh, a des unités aussi qui sont sous-pricées, euh, notamment les Kasserkins, euh, qui font un dégât assez conséquent et surtout qui ont la possibilité via le, le mot-clé euh, régiment euh, de revenir pour un point de commandement. Et quand vous en jouez 3, bah vous jouez 300 points d'armée supplémentaires potentiellement, parce que ce stratagème-là, vous ne pouvez l'utiliser qu'une fois sur une unité. Mais si vous spammez cette unité et vous la jouez en trois exemplaires, bah vous pouvez spammer trois fois votre stratagème par contre. Donc euh, là, il y a... y a la possibilité pour, un... pour le joueur de, renvoyer... de ramener trois fois une unité qui vaut 100 points et qui, honnêtement, fait du dégât. Il euh, y a de la mine, il y a du fuseur, il euh, y a du tir radiant. Enfin, ce n'est pas... pas une unité, ce n'est pas pipou le hibou, quoi, l'unité. Donc, euh, donc voilà, euh, la Death Guard, clairement, euh, qui, je pense aujourd'hui à des personnages qui sont sous-pricés, euh, qui donnent des bonus assez monstrueux, euh, notamment les combinaisons de blessures mortelles via les grenades sur les, euh, les, 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 les Plague Marines, tout comme le, le Fight First hein, sur un pack de Plague Marines qui est déjà très fort. Donc il euh, y a ces personnages-là qui, euh, au, aujourd'hui, je pense, ont une valeur en point qui est beaucoup trop basse par rapport à la puissance qu'elles rajoutent à l'armée. Donc, euh, donc voilà, et le Black Templar. Bon, ben bah, le Black Templar, on en parle déjà depuis un moment. Là, on voit une nouvelle, euh, nouvelle conception de liste arriver. Hein. On avait le, le spam d'Impulsor avec les unités de frères d'épée, accompagnées de certains personnages, qui est, qui est toujours aussi forte, à mon sens, hein, qui, est, qui est très bonne. Euh, mais là, on a une version euh, hardcore de tir. Et on a, on a le, 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 parc à, le parc à tank euh, qui vient, euh, qui est aussi joué en Black Templar. Alors, qui est joué évidemment en Iron Storm pour avoir les bonus de ce détachement-là, mais qui est joué en Black Templar parce qu'en fait, vous avez un multi un, un multifuseur en plus sur tous les châssis et quand vous spammez les châssis du coup ça vous fait pas mal de multifuseur en plus et ça c'est pas négligeable honnêtement donc euh, on a cette version là maintenant du blade templar qui, qui, qui revient entre guillemets sous le format iron storm et, euh, et ça aussi ça, ça semble ça semble très fort euh, et, euh, et ça, ça a l'air de quand même pas, de gérer pas mal de choses qui sont au top de la méta donc, euh, donc voilà Voilà pour ma vision actuelle de, de ce sommet de, de méta après... J'insiste lourdement pour vous dire que c'est quand même relativement équilibré. On a aussi, euh, un, je dirais, un gros cocon de codex, que je dirais des codex fer, euh, c'est-à-dire des codex qui ont ont Des bons matchs et parfois des bons matchs sur des top codex euh, et qui ont pas de et qui pour moi nécessite pas forcément d'être nerfé. Euh, je pense par exemple au taux, je trouve que le taux est un très bon index. Maintenant, euh, on va voir la version codex, mais là actuellement on a joué un index. Donc euh, le, le taux est bien, la Sista est bien, le Titi est bien, le Space Marines dans son ensemble est bien, euh, le World Eater est bien. Euh, le, le, le custodes, on va en parler juste après. Euh, ça risque de lui piquer un peu les yeux. L'orque est cool. Enfin voilà, il y, y a plein, plein, plein. Je, je trouve que le, euh, dès qu'on sort de ce peloton de tête, on a, on a le ventre mou du jeu et euh, le ventre mou me paraît bien équilibré. Et en fait, n'importe quel joueur qui joue un codex du entre guillemets ventre mou euh, peut très bien performer sur du format solo. Et ça, c'est vraiment cool. Ça vraiment, c'est top. Donc voilà. Euh... Le QSODES, bon le QSODES, je vous l'ai dit en début de vidéo j'ai pas le codex matériel sous les mains j'ai une armée qui est en train d'être peinte donc je vous cache pas que euh, quand j'ai vu euh, le bah, j'ai pris le sum hein j'ai pris le sum, euh... sum euh... un petit sum quoi un petit sum sum parce que euh... mais je... mais même je vais vous dire un truc je... c'est un scandale vous êtes très nombreux dès que je monte une armée à me le dire les gars on, on sait qui va être nerfé mais avant la data balance précédente, j'ai acheté une armée World Eater pour le studio. Les World Eater se sont fait sabrer le fion. À quelques semaines du Codex Custodes, je commande une armée Custodes pour le studio. Et elle se fait sabrer le fion. Et j'en ai marre, j'en ai marre, laissez-moi tranquille. Euh, je, je, bon, après, c'est pas grave, des armées dans le studio, il y en a plein, je dis ça, c'est évidemment pour la blague. J'ai pas commandé des Custodes parce que c'était pété ou des World parce que c'était pété. Euh, voilà, sinon je, je vous ai cité les armées qui étaient fortes, sinon j'aurais commandé des Thousand Sons et j'aurais commandé des Zeldar. Mais ça va changer de toute façon, le jeu est je mets à part le fait de, de, de monter des armées pour le studio, c'est important de monter des armées pour le studio de la chaîne parce qu'on a des projets de rapports de bataille bientôt et on va avoir un maximum d'armées sous la main pour vous proposer des belles vidéos. Voilà, donc c'est pas du tout méta, on va dire. Mais euh, une chose est sûre, c'est que le codex, euh, le codex Custo vient d'être leaké et honnêtement, ça sent pas bon pour les Custodes. Ça sent vraiment pas bon. Euh, pourquoi Parce qu'on euh, a une perte massive de règles excessivement forte sur ce codex. Euh, déjà, on va pas se mentir, sur sa version actuelle index, pour moi, il est sorti du top 5. Quand on a fait un top, euh, on va dire quelques semaines après l'arrivée de la Tabalence, on l'a mis dedans, euh, au même titre que le Necron, le Black Templar de mémoire, euh, le Thousand Sons de l'Astra Militarum à l'époque. Et en fait, euh, avec de l'expérience de jeu, moi, je, je là, et là, avec une vision maintenant euh, plus complète. Je pense que le Custo sort du, de ce top faction. Il a des matchs qui sont très bons sur certaines armées. Euh, J'en veux pour preuve le, la canoptée courte. Le, le Custodes a pour moi un très bon match contre la canoptée courte. Euh, parce que le, le, la canoptée courte n'arrive pas à gérer les packs de, de Warden ou les packs de Guard. Et le Custodes a plus d'objectifs contrôle sur les objectifs que le pack de Spectre. Donc difficile de gagner cette bataille-là. Euh, mais à côté de ça, le Custodes, euh, bah, il se fait ouvrir par euh, le, la Death Guard, euh, il se fait ouvrir par le GK. Euh, L'Eldar, je n'ai pas vu le match, mais honnêtement, euh, je pense pas que le Custodes arrive à contrer l'Eldar. Et euh, le Thousand Sons, peut-être, peut-être. Parce qu'il y avait une capacité à générer de la blessure mortelle. Euh, mais euh, pareil, je ne connais pas ce match. L'Astra Militarum atomisait le Custodes aussi. Euh, donc il y avait quand même pas mal de matchs qui sont très compliqués pour, euh, pour le Custo. Et, euh, et pour moi, il sortait. Il sortait parce qu'en fait, justement, ce que je vous disais, ce pool de, de top codex, on va dire, il est là parce qu'en fait, ce sont les codex qui ont le plus de matchs positifs. Ils n'ont pas que des matchs positifs, on est d'accord. Mais ils, ont, ils en ont le plus. Et pour moi, le Custodes rentre plus dedans. Parce qu'il a, il a, il a trop de matchs négatifs. Euh, et malheureusement, même si déjà pour moi, il est plus dans le top des Codex, ils viennent de se prendre une espèce de saucée. C'est compliqué. Déjà, euh, déjà, on perd le Feel no Pain à 4 sur les blessures mortelles. Et on va pas se mentir, euh, c'était une des plus grosses forces du Custodes. Surtout qu'ils l'ont rééquilibré à la dernière data balance. Parce que c'est pas le fait d'avoir le à 4 sur les blessures mortelles qui a fait la différence. Ça a été le fait de le rajouter aussi sur les Deva Wound. Et ça, ça vraiment, c'est hyper important pour le Custodes. Et là, ils l'ont enlevé du codex. Je comprends pas. Enfin, si, en vérité, je comprends. Euh, que. Euh, il y a deux équipes qui travaillent sur ce jeu en vérité et, et ils travaillent pas tous en, ils s'appellent pas, Il y a pas de réseau. Il y a un moment, le gars il a écrit la règle, euh, il s'est dit putain je vais quand même appeler les mecs qui viennent juste de fac le custodes. Il a tapoté sur, euh, je pense qu'il avait un téléphone où on tapote encore comme ça. Euh, il a pris ou même c'était peut-être le truc où on tourne euh, à l'époque. Hein. Ici il a pris, il a dit putain merde j'ai pas de réseau. Bon bah écrivez les règles quand même quoi. Le gars euh, le gars a pas contacté ses Srabs. Et il euh, y, y a quelque chose que je ne comprends pas, euh, c'est qu'on euh, rétro-pédale sur un truc qui a permis d'équilibrer la faction et on, vi on vient lui enlever, mais en plus on ne lui enlève pas juste le fait d'ignorer de, de, les Deva Wounds sur du 4 ⁇ on lui enlève en plus le fait d'ignorer les Mortal Wounds sur du 4 ⁇ Donc euh, c'est compliqué. Euh, ce détachement-là gagne, enfin ce qui, qui s'apparente à ce détachement-là, euh, celui où il y avait la 4 ⁇ Open sur les Deva Wounds et les blessures mortelles, maintenant il va gagner. Un, critical, un jet de touche critique sur du 5 ⁇ à la touche une fois dans la bataille et euh, moins 1 en PA supplémentaire sur les armes de mêlée hein, comme les touches critiques d'ailleurs une fois dans la bataille et honnêtement euh, déjà quand as une règle de détachement c'est une fois dans la bataille ça fait chier mon point de vue là-dessus euh, c'est que euh, aujourd'hui vous regardez toutes les top factions elles sont top faction parce qu'elles ont une règle de détachement déjà de base. Elles ont une bonne règle de détachement. Il n'y a pas euh, Necron, tu joues Necron parce que euh, soit tu as la canopée courte et tu peux avoir tes rerolls sur tes spectres et tes Doomsoul ou parce que tu vas jouer Hypercrypt pour avoir ton blink. Tu vas jouer GK, tu vas avoir ton blink sur ta règle de détachement. Ce qui est excessivement fort. Euh, L'Eldar, euh, c'est pareil. Le Thousand Sound, c'est pareil. Les règles de détachement, elles sont ultra structurantes. Quand vous avez des règles de détachement qui sont claquées au sol, c'est compliqué. Là. Bon, euh, ce qui s'apparente être potentiellement le meilleur détachement du jeu, enfin du jeu du, du jeu custodes, il a une règle de détachement qui est un peu merdique. Donc, j'avoue que je grince des dents. Et il n'y a pas que ça, il y a pas que ça. Il y, y a le fait qu'il y a plein d'unités qui ont, il y, y a des règles qui ont disparu quoi. Il y a des règles qui ont disparu. Euh, Trajan s'est fait nerf son fight first. Euh, et il euh, y a, a d'autres choses comme ça qui ont disparu sur les datasheets. Et honnêtement. Le seul moyen pour moi de contrebalancer ça, c'est de baisser les coûts en points de ces unités-là. Le problème, c'est qu'on est déjà sur des, des profils de figurines qui ne peuvent pas tant que ça être baissés. Parce que quand on a des figurines... <coughs> pardon. Qui ont endu 6, 3 PV, save à 2, 1 vue à 4, vous ne pouvez, pouvez, pouvez pas en faire des figurines à 30 points de ces profils-là. Parce qu'en fait, euh, ça déséquilibre le jeu par rapport à... À des unités Space Marines, par exemple, pour citer, citer que à des, des, des armures Gravis, qui vont pas avoir d'invulnérables, qui vont pas avoir de save à 2, et qui vont avoir, ouais, l'endu 6, les 3 PV, mais qui vont pas avoir autant d'armes que le Custodes, et qui vont être euh, déjà euh, plafonnés en termes de points. Donc, il y a moyen qu'il y ait une, euh, un problème à trois corps, là, qui sont en train de se jouer. Et, euh, et j'ai peur pour le custodes. Je vous avoue que je suis assez inquiet de, 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 du sort qui lui est réservé. Euh, et euh, la data balance qui arrive va forcément pas prendre en compte quoi que ce soit. Donc ça veut dire que si le codex, le codex pue du cul, eh ben, ça part pour euh, les, les, les pouf mallettes pour les custodes pendant, pendant 3 mois au moins. Pendant 3 mois au moins. Et ça, c'est toujours embêtant. Honnêtement, euh, c'est embêtant. Euh, c'est la théorie de l'admec. Après tout, parce qu'ils nous ont fait ça avec l'admec. Hein, le, le, le codex n'est euh, pas bon. Et euh, la data balance précédente a fait comme le Necron, ils sont passés à côté, ce qui était normal. Je pense que la data balance qui arrive va clairement diminuer les coûts en points de, de l'admec. Peut-être ajuster une ou deux règles. Mais euh, on a eu euh, les joueurs Admech pendant trois mois n'ont pas joué. Voilà, on va dire, ils, ont peu, ils ont peu joué, quoi. ils ont été très très peu représentés. Euh, maintenant, ils sont peu nombreux les joueurs, hein, mec. les joueurs Custodes. Ils sont très nombreux, il y en a beaucoup des joueurs Custodes. Donc, euh, voilà, je, je, je vous le dis en avance, les gars. Euh, ça risque de puer du cul pour les 3 prochains mois pour les Custodes. Moi, je mise je, je, je mise sur un gros pouf mallette pendant 3 mois. Ça me laissera le temps de peindre mon armée, tu me diras, vu comme ça. Voilà, euh, voilà pour ça euh, sur, euh, sur le custo nerf et, euh, et du coup, je vais finir la vidéo par vous parler de ma wishlist list de ce de cette Data Balance. Euh, J'en attends pas trop de la Data Balance parce que, je, comme je vous ai dit, apprécié la, la précédente. Euh, du coup. Je vais plutôt vous partager ce qui actuellement pour moi sont les règles qui rendent les factions fortes. Quelles sont les règles les plus pétées de ce jeu actuellement Qu'est-ce qui fait qu'une faction est très forte Sur quelles règles se repose euh, Moi j'ai mon avis et je vais vous le partager. Euh, voilà, les règles qui à mon sens font qu'un un codex est pété. Euh, déjà il y a le blink. Je vous en ai parlé tout à l'heure, hein, la capacité de partir à la fin du tour de votre adversaire et à revenir à votre tour, notamment sur des unités qui ont la frappe en profondeur. Euh, je trouve que c'est vraiment très très fort. Donc euh, le blink, pour moi, c'est actuellement une des meilleures règles du jeu. Euh, pas, je ne vais pas vous citer la meilleure règle du jeu parce que je pense que ce n'est pas, pas du tout objectif. Mais euh, je pense qu'on on peut, on peut faire un, un petit pool de règles qui sont très très fortes. Et je pense que le blink est très très fort. Le mouvement supplémentaire est très très fort. Le, la fait, le, le fait de pouvoir rebouger, je, je trouve que c'est complètement insane euh, parce qu'en fait, euh, ça, ça détruit un peu une géométrie de jeu qui fait que vous ne pouvez rien prévoir. Vous ne pouvez vraiment rien prévoir. En fait, au même titre que le, le, la capacité de blink sur des unités qui ont la frappe en profondeur, votre adversaire ne peut pas anticiper beaucoup de choses. La capacité de double move, c'est la, la même en fait. Votre adversaire est, est souvent en train de se dire... Ah, ouais, mais attends, tu peux faire ça. Ah, mais tu vas pouvoir faire ça. Ah, mais tu vas pouvoir faire ça. Ah, mais putain, mais en fait, tu peux tout faire, quoi. Donc, qu'est-ce que je fais bah, Je me mets en boule au fond de la pièce et puis je pleure à chaud de larmes. Voilà. Non, mais euh, blague à part, le, 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 le double move, euh, c'est très fort. Euh, les unités qui sont comme. Par... Enfin, les Thousand Sons, par exemple, qui peuvent, euh, qui peuvent même. Les Thousand Sons peuvent même triple move. Parce que les Thousand Sons, ils font un double move. Grâce à une arcade magique, là, euh, en utilisant des dés. Et euh, ils ont une optimisation qui permet de réutiliser une arcade magique qu'ils ont déjà utilisée. Donc en gros, moyennant le pool de dés qui va bien, euh, ils peuvent triple move. Ce qui, euh, ce qui sont, sont les seuls à le faire d'ailleurs. Les mecs sont les seuls à le faire. Mais, euh, mais voilà. Donc le double move, je vous l'avez chez les Tazanstone, vous l'avez chez les, les Zeldars dans plein d'unités, hein, euh, notamment les Spectres, qui sont capables de tirer et bouger. Donc, toutes ces unités-là, hein, les gargouilles en tyrannite qui tirent et bougent, euh, voilà, il y, y, y en a pas mal d'autres, hein, honnêtement, c'est une règle qu on, qu on, qui est assez récurrente et souvent les unités qui l'ont sont très très fortes. Donc, pour moi, le, 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 je rebouge les éliminateurs Space Marines. Alors, notamment avec cette. Euh, cette abus, pour moi, c'est un abus de règles. Euh, la combo des Eliminator Space Marines qui consiste à dire je te tire dessus, ça m'active mon double move. Du coup, je re-rentre dans euh, mon transport qui a Fire Deck. Et du coup, mon transport tire avec le, 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 les bordées de tir. Et, euh, et mon unité peut retirer. Parce qu'aux yeux des règles, en fait, c'est le transport qui tire. C'est c'est pas l'unité qui embarquait dedans. Donc en fait c'est comme si c'était deux unités distinctes qui tirent. Donc euh, ça c'est la combo, un peu le, le, le truc qui était joué et qui était je pense un abus de règles. J'espère d'ailleurs que ça va être clarifié dans la table balance. Et ça, ça sera le premier point de ma wish list d'ailleurs. C'est euh, tuer, euh, tuer dans l'œuf, c'est euh, on va dire ces abus de... ou On va dire ces trous dans la raquette hein, clairement. Donc, euh, donc voilà. Mais tout ça pour remettre en lumière le fait que le double move c'est quand même très très fort. Euh, le tir en loss. Le tir en loss est... Est très bon, j'ai l'impression que c'est une difficulté que Games Workshop a avec son jeu, le tir loss, et, et ça date pas de la V10 parce que euh, ils avaient déjà eu le cas avec euh, une période, notamment je pense au Hive Guard hein, euh, en Tyrannide, sur la période V9 qui avait été une purge sans nom. Euh, et et, et Games Workshop s'était rendu compte que ouais, la capacité de, de tirer sans être vu euh, c'est très très fort, et on le voit depuis le début de cette V10. Games Workshop n'a eu cesse de euh, Augmenter le coût en point des unités qui sont capables de tirer sans ligne de vue. Mais on se rend compte qu'il y a encore. Bon, ils y vont avec parcimonie. Mais il y a encore des trucs qui sont très très forts Manticore, Sentinelle. Les. Euh, les. Euh... Les batteries Forge World sont très très fortes. Les Thousand Sons ont cette capacité via un stratagème. Alors là, c'est complètement insane parce que c'est carrément toute l'armée qui peut utiliser ses armes psychiques pour, tirer sans, pour tirer sans ligne de vue. Euh, les batteries, euh, je crois que les batteries Eldar aussi tirent sans ligne de vue. Il euh, y a, a d'autres unités comme ça qui ont du tir sans ligne de vue. Et, et pour le coup, il euh, y a quelques codex sur lesquels c'est encore très très fort. Donc le, le tir loss, pour moi, ça fait aussi partie des. Euh ça fait aussi, aussi partie des, des, des top règles. Et enfin, euh, autre top règle, c'est le fight first. Je pense que le fight first aujourd'hui euh, euh, c'est une règle qui est excessivement puissante parce qu'elle vous permet de dominer la phase de corps à corps. Euh, et c'est ce qui fait que la Death Guard est forte. Hein. Honnêtement, euh, je pense que la Death Guard, vous, si, si vous enlevez le Fight First de la Death Guard, je ne suis pas sûr que le codex est encore dans, le, est encore dans, le, dans, la, niche, dans la niche des prédateurs. Voilà. Donc, euh, moi, ce que, euh, ma wishlist à moi, hein, ce que je préconiserais, ce serait que, véritablement que les unités qui sont fortes et qui bénéficient de ces, ces règles-là, que ce soit le blink, le double move, le tireur-loss ou le fight-first, elles soient impactées par une hausse de coût en points. Ma petite liste sur ça, hein, rapidement, les 7 ans pour moi, ils vont augmenter en points. Euh, j'augmenterai sur le Necron, j'augmenterai les Technomancer. Pas nécessairement les Spectres, parce qu'en vrai les Spectres, on se rend assez vite compte que l'unité est assez équilibrée. C'est le Technomancer qui leur donne le Finno Pain, hein. d'ailleurs. C'est pour ça que les gens vont toujours essayer de chercher à tuer le Technomancer. Et je pense que probablement le Technomoncer euh, doit, augmenter, doit augmenter en points. Les Persos Thousand Sons aussi, hein, ils sont sous-pricés. Ils donnent vraiment beaucoup beaucoup de force, parce qu'ils génèrent des pools de dés supplémentaires sur les... Euh, sur le, 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 le pool de dés qui va permettre de faire des trucs What the fuck aux Thousand Sons. Et surtout, ils génèrent de la BM hyper fort. Et, euh, et puis c'est des, des saloperies dans des, chansons, dans des chaussons de rubrique. Donc euh, j'aurais tendance à dire je taperai pas dans les rubriques, je taperai pas dans les règles Thousand Sounds, je taperai dans les persos, j'augmenterai vraiment coûts en point les personnages. Et c'est la même chose pour les persos DG, euh, J'éviterai de taper dans le plague Marines, j'éviterai d'augmenter les coûts en points d'unités, de, de, je taperai dans les personnages qui donnent des buffs, qui rendent les unités vraiment très très fortes. Euh, les châssis Astra, je vous en ai parlé, qui tirent sans ligne de vue. Les Casserkin aussi. Euh, je trouve qu'à 100 points, l'unité qui peut revenir, euh, je pense qu'elle peut prendre son hub de 10-15 points, voire peut-être 20, peut-être monter à 120. Ça resterait 12 points par figurine, sachant que c'est des figurines qui peuvent revenir, donc ça ne mange pas de pain. Les Dread Knight Nemesis GK, elles, euh, elles honnêtement, je pense qu'elles elles, elles doivent prendre, euh, prendre 20-30 points par tête, véritablement. Pour moi, une Dread Knight Nemesis, ça vaut 210, 215 points. La Dread Nemesis, c'est. Euh, pour moi, c'est la meilleure unité du jeu actuellement. C'est clairement la meilleure unité du jeu. Alors, je ne dis pas, il y a plein d'autres très très bonnes unités. Mais la Dread Knight Nemesis, euh, on est sur un cumul. Là, on est sur un cumul de mandats. c'est plus acceptable. Euh, il faut que l'unité elle, elle, pousse, à, elle pousse à, à, à 200. 200. Entre 215 et 230 points. Euh, sans, voilà. Sans, sans débat. Les capitaines Space Marines aussi. Euh, à 80 points en fait le, 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 comme les capitaines Space Marine sur la capacité de rentrer dans des unités qui sont très fortes, euh, CF, les frères d'épée ou alors euh, des, de la Death Company et ce genre de choses, en fait pour peu de points on vient rajouter beaucoup d'attaques avec des capacités d'utiliser des stratagèmes gratos et, euh, et c'est peut-être un petit peu le capitaine je pense qu'il est un peu sous-pricé honnêtement je crois qu'il vaut 80 points de mémoire et, euh, et c'est vraiment une grosse brute dans certaines unités le capitaine donc voilà. Pour le reste, honnêtement, je vous laisse faire votre wishlist à vous en commentaire, savoir un petit peu quel est votre avis là-dessus. Et, euh, et voilà, on aura fait le tour un petit peu de cette vidéo. Euh, on se retrouve, on se retrouve les amis, dans quelques jours. Hein. C'est le... là, bah, là cette semaine, en fait. On se, retrouve, euh, on se retrouve le 17. Je sais même plus si c'est le 17, j'ai plus la date en tête. Mais on se retrouve, si, le 17. Semaine prochaine. On se retrouve le 17 au soir pour le premier 40K show. Euh, émission avec la team creative war game y aura donc on sera assez nombreux et l'idée bah, ça va être aussi de débriefer la méta euh, donc on va rentrer plus dans le détail et surtout on va rentrer dans le détail avec des spécialistes de codex euh, on va avoir, euh, voilà on aura plein d'invités je vous invite vraiment à, à découvrir ce format là ce sera notre première émission et que j'espère pérenniser hein, évidemment et c'est encore une fois c'est vous qui décidez si le, 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 le format est à pérenniser ou non euh, on a eu la première cette semaine de, du Creative Live Studio avec l'équipe de Pictoresque, qui est un groupe de, un studio de peinture professionnelle. Euh, ça a été génial. J'ai décidé de faire euh, ce live sur YouTube parce que je sais que les gens qui nous suivent sur Twitch sont plutôt des gens qui suivent le jeu compétitif. Là où sur YouTube on a un contenu qui est peut-être un petit peu plus varié. Euh, donc j'ai décidé de liver. Ça faisait longtemps que j'avais pas livé sur YouTube. Et c'était cool parce que vous avez un été, été nombreux avec nous sur le live. Et en plus de ça, je vois que le, le live est, est bien rewatch. Donc n'hésitez pas à aller découvrir ce format vidéo. Euh, on a commencé à peindre. On a bien avancé d'ailleurs. Hein. Elle, elle est là, mais il y, euh, y a quasiment une trentaine de figurines euh, qui, ont, qui ont pris, un, qui ont pris une, bonne, euh, une bonne dose de peinture, donc c'était vraiment cool. Euh, on a fait ça pendant quatre pendant, pendant heures et surtout bah, les peintres qui sont des professionnels partagent leur technique de peinture, etc., etc. Donc c'était très intéressant. Euh, prochain rendez-vous le mois prochain. Il y en aura une par mois de Creative Live Studio. Les le, le mois prochain, ça sera encore avec Pictores, sauf que cette fois-ci. Euh, les peintres vont venir peindre une figurine niveau diamant. Là, l'idée c'était de présenter le, leur niveau silver studio, c'est-à-dire le niveau tabletop, euh, le moins cher qu'ils ont et le plus rapide. Et euh, la prochaine session peinture, les peintres vont s'affairer sur le niveau diamant, qui est le plus gros niveau de peinture qu'ils sont capables de donner. Donc ça va être vraiment canon, je vous invite à découvrir le ReWatch et à, et à, à être présent sur le prochain live parce que c'est vraiment, vraiment cool. Voilà. Je vous rappellerai aussi Super League Warhammer 40 000. Euh, là, ça sera sur Twitch à la fin du mois de mai. Euh, avec un beau roster. Et surtout, bah, on, on y sera pour poncer la data balance, la nouvelle. Donc euh, on vous proposera 8 codex, etc. etc. Et, euh, et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine, beaucoup, beaucoup, beaucoup de kiff autour des tables de jeu. Pensez, si vous voulez faire vos achats, à le faire sur MyObiPlace en créditant Creative Game, les gars. C'est ce qui nous permet de vivre et de faire un maximum de choses. J'ai des retours très, très positifs sur la chaîne depuis, euh, depuis que le studio est finalisé, depuis mon retour. Et, et voilà, et donc, c'est faisable. Tout ce que je fais est faisable grâce au Tipeee et grâce aux affiliations. Donc, euh, n'hésitez pas à nous saucer, ça fait grave plaisir. Et, euh, et voilà, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur Creative Wargame. Et ciao, ciao les seigneurs de guerre.